Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Roblox et cette fois je vais incarner un oiseau. Vol, vol, petit oiseau. Et donc je vais incarner une caille. En anglais c'est une caille. Ah bah la caille je vais rester comme ça. Allez hop, c'est parti, le jeu charge. Alors voilà, je suis la petite caille. Apparemment je suis dans un univers où il fait froid, hein, donc on retrouve pas trop des cailles au pôle nord, mais ici il fait froid. Bon, je peux me donner un nom. Alors attends, voilà, bah, c'est quoi ce truc? Voilà, il y a qui va me bouffer quoi. Je me cache un peu. On peut voir les commandes là parce que je vois pas trop ce que c'est. Burn music, burn call, teleport, name, flow, control, ah, control. Call sit. Ouais, bah, c'est pas trop évident hein, pour bouffer. Attends, pour hit, je vais mettre E. Ok, d'accord. Bon, on va rester. Alors attends, on va rester comme ça avec les contrôles. Je suis désolé à l'écran. Parce que sinon, ça me saoulait. Hein. Alors, est-ce qu'on a une jauge pour bouffer ou pas? Alors, bah ça, Q. Ça va être ça pour voler. Ah, t'es sérieux? Je retombe... Ah, mais ça vole pas longtemps, les cailles, c'est vrai, putain. Putain, je retombe comme un patapouf rapidement, quoi. Bon, faut que je m'échappe de ce... Ok, allez. Hop. C'est quoi, cet oiseau doit rester. Ah, c'est quoi les flocs? Ice. Ah ok, donc on a des clans. On peut se téléporter. Bon bah là apparemment on est dans le monde de la neige. Alors il y a un truc là-bas, on va essayer d'y aller. Allez. Ok, bon bah on a une grotte. Je vais quand même essayer de revoler, putain. Ok, l'oiseau doit se reposer. Ça casse les bonbons, ça. Bon, ça au moins je sais. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi cette baraque? Il y a d'autres piafs là? Qu'est-ce qu'il a dans sa bouche lui? Ah, il a une plume. Ah, c'est la maison du Père Noël ou... Ah, voilà, là je peux bouffer à mon avis. On va bouffer. Est-ce que ça me donne des trucs quand je mange comme ça? Est-ce qu'il me faut des graines obligatoirement? Attends, mais attends. Hop, comme ça, si je vais là, à mon avis, ça me fait gagner des points. Non? Ok. Donc, ça, c'est quoi, Earth? Ah, ok, ça, c'est pour faire croire que je suis mort. Ah, c'est rigolo, ça, dis donc. Display. Ok, Prin. Ah, c'est pour se nettoyer. C'est quoi ça? Aïe. Oh, doucement. Ah, c'est pour fermer les yeux. Aïe. Ok, alors ça peut être rigolo, ça. Viens. Regardez un peu. Regardez, on va rigoler un peu. Oh, il vole l'oiseau. Il vole. Merde. Je voulais pas faire ça. Attends, je voulais faire un truc genre comme ça, et d'un seul coup tu fais... Et le piaf il est mort. Bon. Putain, il y a des oiseaux qui volent plus longtemps que d'autres. Moi je vole pas longtemps, je suis un gros sac. Les sacs et les cailles c'est des gros sacs. C'est quoi ça? Ok. Allez. Est-ce que je peux me téléporter? Je vais... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il pleut. D'accord, c'est de la neige. Ouais, bon, la neige m'intéresse pas trop. Hein. On va essayer d'aller au village. Ouais, le village est pas ouf. Putain, mais c'est sous la neige partout ou Sanctuary, c'est l'hôpital? Ah, c'est pas mal ça, le Sanctuary. Donc. Du coup, je vais faire ça. On va voler un petit coup.
On va regarder les pièces qu'il y a là. Il y a de la viande. Ouais, j'ai la flemme de chercher pendant 2 heures comment voler. Là, c'est reposant hein, comme jeu. Hein. Attends, il y a un truc là. Ah, mais c'est pour ouvrir et fermer des portes. Alors, attends. Allez, rentre là-dedans. Et regarde, là, je ferme la porte, non? Ah non, c'est pour me tenir sur le perchoir. Ah, il y a un perchoir. Regardez, je suis une magnifique petite caille. On va peut-être essayer d'autres piaf parce que alors là, ça m'a un peu énervé. Ok. Ouais, mais moi j'aimerais bien changer de piaf en fait. J'ai pris un piaf qui vole pas très bien. Soon effect, soon. Ok, mais je m'en fous. Attends, s'il n'y a pas le choix, on revient dans le jeu. J'interromps, je fais ce que je veux. On va prendre un piaf qui vole parce que alors là, ça m'a saoulé la caille gros lard là, qui arrive pas à voler. Alors les oiseaux qui volent bien, le pigeon il doit bien voler normalement, je pense. Ah, c'est quoi ce piaf? Ah, le sparrow, je pense qu'il doit bien voler. Ah, je vais prendre le pigeon, c'est connu pour vivre, pour voler longtemps les pigeons. Bon, c'est pas des hirondelles, mais voilà quoi. Allez, c'est parti. Ah, bah voilà! À quoi ça sert de... Non mais n'empêche, c'est pas trop mal fait en fait. Donc en fonction du type d'oiseau, vous allez savoir si vous volez bien ou pas quoi. Du coup, maintenant que je peux bien voler, je vois qu'il y a des îles là-haut, des îles qui sont dans le ciel. On va essayer d'y aller. Regardez. Du coup, bah là, je survole, ça c'est le monde de la neige. Vous voyez, c'est là où j'étais. Tiens, il y a un pingouin. Tu vois, tout de suite, ça simplifie le truc quand même. Hein. Merde. Hop. Oh, il y a quelqu'un, t'as vu? Ah, ça c'est quoi? C'est un... On dirait un dindon. Ouais, c'est une dinde violette. D'accord. Allez hop, je repars. Non, franchement, c'est faut savoir voler. Hein, parce que... Qu'est-ce que je vais me casser les nouilles à traverser la map? Alors que c'est beaucoup plus simple de voler comme ça direct. Ah, je peux pas le regarder de face, par contre, ça c'est con. Ouais, c'est le jeu Bird qui a été amélioré, quoi. Le jeu Bird, c'était sympa, mais c'était une toute petite map. C'est quoi ça? On dirait le pays des fées, ici. On va passer dans la grotte. Ouais, c'est sympa, hein. Tu vois, il y a une grotte avec plein de champipi. Hop. Et je repars, du coup. Et voilà, mec. Je m'envole vers d'autres cieux. Ouais, donc voilà, on a le royaume des nains ici. Oh putain, il y a de l'eau, c'est joli. Hein. Avec une petite musique. Wow, c'est joli ici, hein, avec la tour là. Ah, tu peux sauter si t'as un piaf pour aller en haut de la tour, c'est rigolo ça, dit. Hein. Alors attends. Merde. Ah, je suis pas bête. Hein. Je suis un peu bête, pas trop, mais juste assez. Est-ce qu'il y a un truc pour grimper? Non, en fait, c'est un faux habit. Ah, du coup, attends. Non, non, non. Non, non, non. Voilà. Ah, forcément, on a des pièces qui sont faites pour... Ah, mais ça descend où? Il y avait une échelle. Ah non, d'accord, ça reste dans la pièce. Bon, bah du coup, on se barre. Donc, on a une pièce assez sympa, dis donc. Non, franchement, c'est beaucoup mieux de se déplacer que ce pigeon, quoi. Oh, je me demande où c'est quoi les îles volantes. Ah, Skyland. Allez hop, au lieu de s'embêter. On va direct à Skyland, tu vois. Je vais pas m'embêter à me déplacer 150 fois sur la map. J'ai autre chose à faire dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a à Skyland? Il y a un nid, c'est tout. Attends, attends. Ah, je peux faire quoi? On a... D'accord, je peux pas le prendre. Ok, c'est juste pour éclairer à mon avis.
Donc là, de Skyland, ah, ok, on a des îles un peu à côté quand même. D'accord, ça va être les îles qui sont liées au biome, tu vois, ça c'est le biome désert. On a l'eau qui coule de Skyland, t'as vu? Ouais, on a les différents biomes, je pense qu'ils sont en dessous, qu'on retrouve en dessous. Oh, il y a même un truc, t'as vu, il y a un passage secret par là. Wouah, mais regarde! Mais non! Il y a une oie qui transporte un oiseau! Putain, on va les embêter. Putain, je vais gueuler. Comment on fait pour gueuler? Ah, je crois que c'est un. Je suis en train de les spammer. Bon, allez, on va remonter un peu quand même. J'arrête mes conneries. Hein. On va aller visiter l'île. Alors. En mode GoPro sur le pigeon là. Alors, je remonte. On est en mode GoPro sur le trou du cul du pigeon là. Ok, alors là ça c'est la flotte qui tombe. Ah, il est là le trou. Ça mène où? Ouah, mais il y a un arbre magique. Je suis magique, tu es magie. Et voilà, je suis dans la magie. C'est la magie de Noël les amis. Faites votre vœu, il sera exaucé. C'est un drôle de bruit ça. Attends, mais il y a d'autres personnes, regarde. C'est l'arbre magique des oiseaux. Regardez, je montre. J'essaye de séduire la femelle qui s'envole. Ah, c'est qui ça? Je vais le spammer. Jem Giga Parrot, c'est un perroquet. Regardez, on est prêt à se reproduire là, ça va baiser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cadeau là. Oh, qu'est-ce qui... Ah, bah merde. Ok, attends. Je fais le mort. Tout le monde fait le mort. Coucou! Ah, il a poussé le cadeau au fumier! Quoi ce machin là? Ça vole ces trucs là? Ah, c'est un ME. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais il creuse! Ah, mais il fait un nid, je crois. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ça y est, regarde! J'ai volé le cadeau de Noël! Et voilà! C'est moi, le Père Noël! Oh oh oh! Vous l'ignorez sans doute, mais il n'a jamais existé, le Père Noël! Il n'existe qu'un pigeon de Noël! Après le pigeon de la Saint-Valentin, le pigeon de Noël! Au pigeon de la Saint-Valentin, il se fait plumer par les femelles. Et à Noël, il se fait plumer par les enfants. C'est le pigeon de Noël. Allez, en plus, on est dans un volcan. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me tuer? Eh non, vous allez rien faire parce que je suis le pigeon de Noël. Le pigeon de Noël ne craint rien, les amis. Le pigeon de Noël qui fait 40 heures pour avoir un cadeau de Noël. Allez, on retombe un peu sur la Terre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dirait qu'il y a une planète. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? J'apporte les cadeaux aux enfants là.
Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien, hein? Vous restez devant vos écrans, là, sur YouTube. Donc moi, j'apporte des cadeaux de Noël. Regardez-moi ça, je me sacrifie. Je passe des heures à apporter vos cadeaux, quoi. Bande dingue, hein? Et j'ai quoi comme récompense? Rien. Nada. Que dalle, que chier. Vous devriez avoir honte de vous. Honte. Ouais, il fait un peu loin quand même, hein. Bon, on va se téléporter dans les différents environnements, en fait c'est trop grand. Et voilà, je suis dans la jungle, les amis. Regardez-moi ça. Je suis dans la jungle. J'apporte les cadeaux à Mowgli. Voilà, ils sont pas beaux. C'est pas beau la jungle là, avec sa brume et les macaques qui gueulent comme des sagouins. Regardez-moi ça. Regardez. Il va pas y croire, je lui apporte son cadeau de Noël. Voilà. Elisa de la jungle. Elle a trouvé une grotte où se réfugier. Oh! Écoutez-moi cette musique émouvante. Alors, téléporte. Jungle. Oh bah là, Ice Mountain, on l'a faite. Ah, la volcano, on l'a pas faite. Regardez-moi ça, ça c'est du volcano. Regardez-moi ça. Je prends d'immenses risques à vous apporter vos cadeaux. Vos cadeaux de Noël. Regardez, il fait 1500 degrés, mais malgré tout, je continue d'apporter les cadeaux de Noël pour tous les enfants du monde entier. Je sacrifierai ma vie pour vous. Regardez la lumière, le cadre, la fumée, tout est parfait. Voilà. On a le désert. Et voilà. Il y a même des squelettes dans le désert, dis donc. C'est quoi ça? C'est de la viande? Un truc dans le désert là, c'est quoi? C'est une maison? On dirait une baraque avec un refuge pour les oiseaux. Avec un puits. Et je vais larguer mon truc sur les Indiens là. C'est les Indiens ça, c'est quoi? C'est quoi ce monolithe là? C'est l'or, je crois. Beach! Tiens, on n'a pas vu la beach. Beach, oh ma beach! Qu'est-ce que tu fais? Skyland, on a vu. Fantasy Field, on l'a vu. Je sais pas où apporter mon truc. Ah, du coup, on a vu qu'il y avait pas mal de monde au volcano. Donc, je vais larguer mon cadeau au volcano, je pense. Je vais le mettre en haut d'une pierre. Comme ça, quelqu'un saisira le secret. À vous, génération, je vous lègue ceci. Prenez-en soin. Ah merde, mon cadeau il est tombé! Et voilà, regardez, admirez-moi. Moi qui me suis sacrifié pour vous. Prenez soin de vous. Allez, je vous dis bye bye, au revoir.